Les personnes qui ont des fortunes importantes seraient très contentes de cette phrase. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Alors, c'est une citation qui est intéressante parce que, en fait, elle est juste dans la mesure où les personnes, les possédantes et les possédants que j'ai rencontrés, et les personnes qui ont des fortunes importantes, seraient très contentes de cette phrase. C'est-à-dire que, et ça c'est un collègue, Kevin Jay, qui a travaillé sur le rapport aux politiques de la grande bourgeoisie, qui pourrait mieux en parler que moi, il y a cette idée, de plus en plus, mais je pense qu'en fait qui est ancienne, c'est pas de plus en plus, il y a cette idée qu'on peut se passer de l'État. Et qu'on est beaucoup plus, enfin, et que le politique, c'est un peu, ça reste un peu sale, quoi. Donc on est au-dessus de tout ça, au-dessus des règles de droit, et il y a une sorte de, à la fois de la défiance vis-à-vis des intermédiaires financiers d'ailleurs, enfin, ça fait partie d'une posture grande bourgeoise que de montrer, de faire preuve de défiance face aux politiques, face aux conseillers financiers, etc., etc. Donc de rappeler finalement qu'on fait mieux seul. Et ça, pour donc ça peut être une idée générale que j'ai retrouvée de façon différenciée, bien entendu, parmi les personnes que je rencontrais, mais qui s'incarne très bien dans un élément plus précis, qui est la préférence des plus fortunés pour le don plutôt que pour l'impôt. Vous pouvez être sur des montants qui vont être similaires, mais la particularité du don, c'est que vous choisissez où est-ce que va l'argent. Et votre nom est maintenu. Donc, deux choses différentes que l'impôt. L'impôt, vous ne choisissez pas comment il va être alloué. Et vous fondez dans une communauté anonyme qui est celle des contribuables. Et on a là un pilier dans la construction de l'État. C'est-à-dire que l'État ne peut pas émerger au 19e s'il n'a pas, à un moment donné, un monopole sur la violence physique légitime, ça veut dire une armée, ça veut dire des policiers, ça veut dire etc. Et sur les finances publiques, l'État devient un élément central par lequel, au travers de représentants élus, etc. Après, c'est ce qu'on appelle la démocratie, hein, c'est lui qui a la main sur l'allocation des finances publiques. Et en fait, plus vous organisez des circuits parallèles, plus vous permettez à ces personnes qui en ont les moyens de choisir elles-mêmes ce qui serait d'après elles mieux en matière d'allocation de l'argent public, plus vous sortez d'un système qui a été construit, qui s'appelle l'État, et la démocratie même autour des choix qu'on fait en matière d'allocation de l'argent public. Donc cette phrase pour moi, elle est juste dans la mesure où elle résonne très bien en fait, avec cette préférence des plus fortunés pour quelque chose qui ne passe pas par l'État. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'État ? Là, on va dire que l'État leur rend des services. Leur rend des services, encore une fois, discrets. C'est-à-dire que la personne fortunée serait très mal à l'aise à l'idée de toucher, par exemple, l'argent qu'elle touche, mais indirectement. Quand on rabote sur l'impôt, sur le revenu, parce que, par exemple, on fait un don et ça permet de défiscaliser une certaine somme, on investit dans une PME, ça permet de défiscaliser une certaine somme, etc. Si, en fait, on prenait ces sommes-là qui sont défiscalisées et l'État les donnait directement, ça mettrait très, très mal à l'aise. Donc, en fait, la préférence aussi pour un système assez caché, qui ne se voit pas, mais qui est une véritable aide faite par la collectivité aux plus fortunés, elle résonne encore une fois avec cette préférence pour l'autonomie et cette valorisation finalement de l'autonomie. Ça ne veut pas dire que derrière l'État ne fait pas des politiques qui leur bénéficient.